Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Toute personne qui désire investir dans les crypto-monnaies ou qui possède déjà des crypto-monnaies doit suivre cette vidéo et le comprendre. Avant de commencer la présentation, je demande à tout un chacun de nous de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Appuyez sur la cloche de notification pour les prochains vidéo postée. Nous allons parler de notre crypto-mère, qui est le Bitcoin. Et tout le monde doit savoir et comprendre ce que je vais dire sur cette vidéo avant de se lancer dans cette nouvelle génération. Le Bitcoin a un cycle de 4 ans que vous devez savoir obligatoirement. Nous avons le premier cycle qui est le cycle du bear market, le deuxième cycle qui est le cycle d'accumulation, le deuxième cycle qui est le cycle de halving, et le quatrième cycle qui est le cycle du bull run. Nous avons parlé du premier cycle qui est le cycle du bear market. Donc, dans ce cycle, le Bitcoin chute drastiquement et perd généralement 75% de sa valeur. On sent que notre crypto-monnaie a atteint son ATH l'année passée qui était de 69 000 dollars. Donc c'est l'année de la correction. Et pendant cette période, beaucoup de novices quittent le marché avec des pertes car ils ne se sont pas formés. Donc, quand la correction commence, ceux qui ne maîtrisent pas, ils quittent le marché. Parce que justement, ils ne se sont pas formés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas suivi ma vidéo là. Donc, la deuxième période, c'est la période d'accumulation. Comme vous l'entendez, en effet, pendant la première année, beaucoup de novices quittent le marché. Oui, c'est-à-dire pendant le bear market, beaucoup de vos novices quittent le marché. Mais ils restent toujours observateurs. Dans cette même période, à cause de la chute, plusieurs chaînes racontent que le Bitcoin va disparaître. Et dans la deuxième année, vu que le Bitcoin ne meurt pas et commence à prendre de la valeur, alors les gens comprennent qu'ils étaient dans l'erreur de sortie du marché. Et voilà qu'ils vont commencer à réinvestir massivement en accumulant les stocks. D'où vient le nom d'accumulation? En troisième année, c'est l'année du halving. C'est la période du halving. C'est une période où la récompense des mineurs de Bitcoin est divisée par deux. Cette période est très importante pour le Bitcoin car elle a un effet positif après un an. Maintenant, la quatrième année, voilà, c'est l'année du bull run, la grande montée. Sachez que pendant cette période, le Bitcoin multiplie généralement sa valeur qu'il avait pendant le halving fois 10 ou fois 100. Depuis que le Bitcoin existe, il a toujours fonctionné de cette façon. Ceux qui ont investi entre 2009 et 2013, ils sont tous devenus riches avec simplement une valeur de 200 dollars. Ceux qui ont investi entre 2014 et 2017, ils sont tous devenus riches avec une valeur de 20 000 dollars. Ceux qui ont investi entre 2018 et 2021, ils sont tous devenus riches avec une valeur de 69 000 dollars. Nous sommes en 2023, donc la période d'accumulation. Les questions qu'on se pose sont, premièrement, combien de pièces j'aurai avant 2025? Deuxièmement, quelle valeur Bitcoin aura en 2025? Troisièmement,
Dois-je me comporter déjà comme un futur millionnaire? Notez bien, si vous ne croyez pas, allez-y sur l'internet, vérifiez vous-même. Le prochain bull run sera très très violent. Si vous le ratez, ce serait peut-être la plus grande chance parce que qu'après 2025, ce sera compliqué de s'en sortir, peut-être avec les crypto-monnaies. Les institutions vont injecter des milliers de milliards de dollars sur le Bitcoin. Sa capitalisation risque de flamber même avant 2025. Tant attendu parce qu'avec les faillites des banques traditionnelles, le Bitcoin est devenu un refuge. Nous pouvons espérer le Bitcoin à plus d'un million de dollars d'ici 2026. C'est une prédiction, hein? Voilà. Mais est-ce que les altcoins vont suivre? Il faudra aller étudier le comportement des altcoins en corrélation avec la dominance du Bitcoin. Donc, chers leaders, et voilà ce que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous apprendre un peu. Je vous prie d'aller faire vos recherches personnelles. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je vous demande, chers leaders, d'investir. C'est le moment idéal d'investir dans les crypto-monnaies. Parce que à partir de 2024 et 2025, au plus 2026, ceux qui ne sont pas riches, je vous assure que ils ne pourront plus être riches en crypto-monnaie. Raison pour laquelle je vous demande à tout un chacun de nous d'investir sérieusement dans la crypto-monnaie. Ces temps-ci, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Et d'ici au plus 2026, vous allez réaliser vos rêves avec les crypto-monnaies. Je vous remercie. Je ne veux pas être très long dans ma vidéo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Posez toutes vos questions. Et si vous avez des compléments à faire sur cette vidéo, faites-les compléter sur, et comment on appelle, les commentaires. Et ensemble, on va en discuter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On est ensemble.